Bonjour, bonsoir. Ou pas qu'à comprendre comment ça fait un plaisir. Parce que tout simplement, vous regardez la vidéo ça. Et à chaque fois que vous regardez la vidéo, vous partagez, vous likez, vous commentez, vous allez à cœur, mes amours. Si vous pouvez vous abonner, faites ça cogna, s'il vous plaît. Parce que sur channel ça, nous promettons tout bagay. Nous promettons information sans pareil. Ok, guys. Déjà, je souhaite tout le monde bienvenue à vous même qui pral faire partie Team Jid Asian People. M'espérez, nous pral passer des belles moments extraordinaires. Des moments que même moi-même pas espérer. Même moi-même tout ou pas espérer. Merci tout le monde. Restez là pour aller. Bye bye, guys. Rebonjour, rebonsoir. Comment nous y est, madame, messieurs, spécialement tout jeune people Haitien moi. Nous t'es vraiment manqué mes amours. Moi pas commencer vidéo ça pour me pas dire bonne année avec tout jeune Haitien people moi parce que yo dit li pas jamais trop tard pour bien faire. Raison parce que c'est premier vidéo médité sur channel YouTube moi dans l'année 2023. C'est raison que fait c'est qu'on y a me dit nous bonne année parce que me pas te ka vinn monter sur nous comme ça tout monde. Nous connais remen nous en pile. OK, m pa fè trop parler en pile, m'a rentré exactement dans vidéo que moi porté pour nous jeudi. Depuis sous titre vidéo à nous gitan wè de ki ça exactement moi pral parler. Dans vidéo ça guys, m pou mete nou pral gen un paquet de bagay. Rete la parler pour nous passer titan ensemble et que n'a peine joy vidéo ensemble. Dans mardi qui était 14 février 2023, nous était gen un paquet tollé sur toutes réseaux sociaux yo que demoiselle et grand artiste ça qui c'est Canis te fait. Peut-être qui ça parce que il était sorti dans ti soulier, il était fait tout monde connaît que li c'est lesbienne. Mes amis, l'aime dit nous ça gen causé. Avec vidéo ça, en pile monde qui pas connaît demoiselle là, ta remé connaît qui est Canis. OK, moi pote information ça yo pour nous rete là, moi pral ba nou tout sans retirer yon virgule. OK guys. Niska Gaoud fête 27 septembre 1993 États-Unis. Non artiste li c'est Canis qui était dans un premier temps Niska. Après naissance li aux États-Unis, maman l'té choisi entrer Haïti avèl. Canis grandit Port-au-Prince spécialement dans ville Pétionville. D'après information nous gagnen, Canis grandit ensemble avec maman seulement. Depuis l'enfance Canis tout rêve li c'était devenir yon artiste, yon grand bout artiste. Mais malheureusement, maman l'a pas jamais arrivé vle d'accord décision ça pour lui. Il était choisi l'école pour lui seulement. Mais pour te calmer maman, il était seulement dit la baye maman yon diplôme. Depuis le fin baye diplôme nan, tout bagay ap arrivé possible pour le cas poursuivre rêve li. Canis kite Haïti, li entre New York pour res étude li. Après li fin diplôme nan marketing et puis bio. Maman tombe d'accord avec pour continuer wout rêve li, pour suivre wout rêve li alors. Première musique li te produit, c'était yon musique anglais. Titli c'était I See You. Musique ça te fait yon ti parler parce qu'elle était dans marché international là quand même. Après quelques années, li retourné Haïti vin faire musique en créole parce qu'elle était remé rap créole en pile parce que tout rêve li c'était devenir un gros artiste rap créole. Première apparition li te fait yon musique, titre musique là c'était Viré Won. Musique ça t'est passé avec en pile views et jusqu'à présent cap continuer faire views parce que à chaque fois yo tande yon nouvelle de yon artiste c'est plus moun pral faire connaissance avec produit li te kon bay déjà yo. Et nan année 2016 li fait yon musique avec Isolant qui c'est m pa konnen rien. M kwè en pile moun te konnen vidéo ça m pa besoin faire trop détails sur li, c'était une très belle vidéo clip qui te multiplié popularité Canis. Et en année 2020, li te pété plafond net avec musique featuring Baki qui c'est ou bon pour moi.
Ou bon pour moi c'était une très 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 belle musique et jusqu'à présent dans l'année 2023 il y a monde qui still attendre même papa nous menti m'te découvrir artiste ça c'était dans musique ça spécialement m'te fait connaissance ensemble avec elle. Et puis jeune jodi a li découvrir tout li fait tout monde croire qu'elle est lesbienne qui était mariée ensemble avec yon fille bagaille ça fait un paquet parler puis l'artiste a commenté l'aime dit nous ça nous te ouais comment bagaille yo teye. OK, d'après nous dit est-ce que c'est un bon choix ou bien est-ce que nous pensons qu'Anis mette fin dans carrière musicale li et puis pour gérer madame ni. L'autre vidéo m'pote pour nous jodi a c'est une vidéo qui pral parler de Dani Alves. Nous connaît Dani Alves, c'est un brésilien et qui t'a joué dans sélection Brésil là et qui t'est passé jouer dans club Barcelone et plusieurs autres clubs que me pas connaît pour me pas venir ba nous mentir parce que j'aime dire sous channel ça me porter information mais depuis me pas bien en vidéo information, me pas fourer pied me la donne. Et qui kon fait ti promotion li pour Puma tout. Et on fait promotion li pour Puma. Eh bien, dans 30 décembre 2022, gen en pile nouvelle qui te fait quoi que Dani Alves te fait agression sexuelle sou yon demoiselle de 23 ans nan yon club. Actuellement m'a parlé avec nous là, Dani Alves prend un gros show en Espagne à cause plusieurs déclarations li bay sou détail ça. Dans un premier temps, li dit c'est pas erreur, li te croisé ensemble avec ti dame nan. Li pa jam gen échange parole avec elle. Après li dit, li te gen 2 ou 3 semaines a parler avec elle avant rencontre là. Kounya après toute analyse yo fait, examen yo révélé actuellement sperme yo jeune en dedans demoiselle là, c'est sperme Dani Alves ak tout ADN ni. Sou radio yo joine comme si yo fait ADN pour demoiselle là et puis yo joine ADN nan révélé comme si sou rad ti demoiselle là c'est pour Dani Alves. Ta semblé à Dani Alves pas innocent nan bagay la. Konya li risque al subi peine li parce que li bay trop version. Tantôt li di li seulement te mande ti dam nan danser, tantôt li di oui, yo te fait yon ti bagay ensemble, mais c'était consentement yo tous les deux. Mais c'est pas de sexe. Kounya, li touye bagay la net, li di oui, yo te fait vraiment. Ouais, l'entend comme si version sous version à la dernière minute il a privé ouais qui est-ce qui en tort qui est-ce qui coupable kounya actuellement là Dani Alves premièrement li perd du respect li et ça qui pire là excusez madame ni t'a semblé fin enragé pour le demander Dani Alves divorce parce que nous connais brésilienne pour monde qui t'ai fait une petite expérience dans pays Brésil nous connais brésilienne yo pas joué tellement yo jaloux. Eh bien, c'est campé avocat a foure men nan bagay la la, ou si yo te ka tempere madame nan pou pa mande divorce la, pou Dani Alves pa tombe nan tout net. Mais malheureusement, yo pa ka fè anyen pou li parce que même juge yo y a gardé y a pou Dani Alves nan menti parce que trop version bay. At least s'il te dit que te gon baga entre li même ensemble avec demoiselle là dans un premier temps, peut-être avocat te ka wè comment pou le plaider pour li. Mais à cause de tout parole sa yo li bay un seul coup qu'on y a avocat presque pas ka fè rien parce que même juge yo apwè Dani Alves coupable nan dossier et demoiselle la gèlè pa san campé sou négocier à faire l'argent parce que li pa de besoin bagay sa at least s'il te besoin l'argent te ka wè son dossier ou levé mette sou li mais jan le campé dan l'argent pa intéressé li seulement vle pou yo plaider pour virginité li qui en comme t'a dit ça en déblosaï li pas de virginité là alors pour respect excusez fuck bien clarifier moi pour nous guys. OK kounya d'après nous tout Asian people mio dim est-ce que nous est Dani Alves mérité peine ça est-ce que li gen raison est-ce qu'elle t'est supposé arriver là et d'après ou dim qui ça nous penser qui fait le tomber dans trou ça le tomber là parce que étant que lui même et puis li gen madame m'attend nous chaque dans un grand commentaire c'était avec nous Judo César je suis fier de vous mes amours bye bye.